بطاطا مقلية من بلجيكا، ما في أطيب منها، هيدا حلمي اليوم، حلمي. بطاطا مقلية مش لوحدها، مع بيرة. عم نفوت على ستاند الفريت، الفريت بلج، أطيب فريت بالعالم. رح نشوف شوي كيف عم يحضروهم. سر الفرنش فرايز الفريت بلج كتير كتير هايل. قبل كل شيء اكيد مقلية كتير مهمة، كتير بيرفكسيوني. زيت، زيت كتير طيب. بطاطا، مش حيلا بطاطا. البنت، في كمان غيرهم بس ببلجيكا بفضلوا اكتر شيء البنت. ملح، مايونيز، اما كاتشاب، اما موتار. اكيد بدها لوف، لامور، لامور بلج. صرت عم بسكب بطاطا. Le sto servendo io. Una porzione molto speciale che va sulla TV libanese. Quindi abbiamo messo le patatine, ci vuole il sale. Il sale. Anche di là, però prendiamo questo. Maionese o. Niente? Grazie a voi. Fantastico, grazie. Bellish. Ma il moutarde. Bijano no. Tire ta bim. Les frites belges, les meilleures au monde. J'ai ishra bira et Belgica. Balade brel. C'est main. Il faut oublier. جن الغنيه بس رح اروح اشرب بير هلا. Xavier, yes. Why your beer is so good? We think in Belgium our best country of beers. We have many different kinds of beers. We have lager beer, but also the Gueuze beer, a little bit of sour. Then we have the Trappiste beer, famous in Belgium. But also the lager beer is very good. We have the new big breweries, AB InBev is in the whole world, very famous. Santé, merci Xavier. Saha, santé. بلجيكا كل بيرة عندها كبايتها. بهالبار هون في عنا أكثر من 50 نوع كباية. أنا هلا عم بشرب هيدي. سالوتي. سي تري بون. Michel, voilà, j'ai quelque chose pour toi. Enfin, voyez, une assiette délicieuse avec tous les chocolats fameux de la Belgique. Donc voilà. Anna, ma chef, Derek Rum en Belgica, Amna Melhon, Atiab Chocolat. Belgica, ma arouf et le chocolat, fi Atiab Chocolat Belalam. Chef, on va goûter les spécialités belges. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer ici? Je vais préparer du chocolat, de petits chocolats. Les gens s'amusent ici avec du chocolat. Les Belges sont connus pour le chocolat. Et on met le chocolat dedans. On a trop de chocolat. On laisse le chocolat qui est trop. Et après, on laisse trembler. Parce que dans le chocolat, il y a trop de l'air.
D'accord, de manière à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur du voilà. chocolat. Donc on met ça dans le frigo pour à peu près normalement 10 minutes. Et après 10 minutes, on a un résultat. Je vais regarder qu'on a. On a un résultat comme ça. Donc ça c'est solide, ça c'est dur. On met sur le plateau et on va taper. Oui, tu tapes. Et vous êtes un vrai chocolatier. Mais je suis devenu un maître oui, chocolatier belge. Pour l'instant, c'est superbe. Bon. Et tu peux goûter aussi. Et je vais goûter. Oui, oui. Chocolat blanc dans ce cas, chocolat oui. Abiad. Et moi, je vais prendre le vrai chocolat. Donc, le chocolat noir. Voilà. Chocolat Abiad, oui. كثير طيب يحبوا كثير الاولاد ولكن الخبير بفضل اكيد الشوكولاه الاسود يكون في كثير سكر هذا بيعطي الطعم الحقيقي تبع الشوكولا كثير طيب على كل حال عم بيدوب بنحطه تحت اللسان خليه يدوب شوي شوي بنحس بنشم كل الفليفرز سي فريمون سي شارمون ميرسي بوكو شيف سي فريمون بليزير ميرسي ميرسي بلجيكا أكيد بلد البيرة والفريت والمول والويتر ولكن في كمان الغوفر الغوفر احنا مع كيارا كيارا quelle est la différence entre les deux gaufres que nous avons ici alors vous avez les gaufres de Liège que vous voyez juste ici sur ce plateau qui en fait sont des gaufres denses avec des morceaux de sucre très gros à l'intérieur ces gaufres sont chauffées et sont données chaudes à la personne, au consommateur, pour que le sucre fonde un petit peu. Et puis vous avez un deuxième type de gaufres, qui sont les gaufres de Bruxelles, qui sont des gaufres beaucoup plus aériennes, beaucoup plus légères, moins sucrées, car elles sont servies en fait avec un topping de crème fraîche, de crème fouettée, parfois de fruits, de chocolat ou encore des coulis. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Je suis gourmand, je mange tout.